l'adolescence, on a le choix entre se conformer et mourir, ou ne pas se conformer et devenir un héros. Bonjour à tous, petite introduction rapide avant le début de la vidéo, je voulais revenir sur trois points. D'abord, merci beaucoup pour les retours sur les deux vidéos, sur le canyon, enfin sur le VTT. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des vues, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des commentaires, des likes, tout ça. Encore moins à avoir des commentaires super encourageants comme certains l'ont fait. Vous vous reconnaîtrez et je vous remercie vraiment beaucoup, ça fait super plaisir. Deuxième point, j'ai vu qu'il y avait une petite attente justement sur ces vidéos de VTT. Quand j'ai commencé à monter là, celle d'aujourd'hui, il n'y avait pas spécialement d'attente ni rien. Donc je me suis pas dépêché, je suis désolé. Elle est en cours de préparation et en fait, elle est un peu plus, enfin c'est un peu plus long à préparer que prévu parce que j'ai voulu juste intégrer des réponses aux questions que vous posiez dans les commentaires des deux précédentes vidéos. Et d'ailleurs là, je suis en Marseille et tout parce qu'en fait, je rentre d'une session de vélo où j'ai voulu faire des images. C'est un gros échec, gros fail parce qu'en fait, la montagne littéralement, elle était fermée pour la chasse. Il y avait des chasseurs partout. Donc j'ai pas pu faire grand chose, j'ai essentiellement roulé sur du goudron, mais bon, j'ai pu faire quelques images et répondre à quelques questions. Je suis désolé qu'elle mette si longtemps à sortir et je vais essayer de la faire pour dans 2 semaines. Troisième point, juste pour parler rapidement de cette chaîne, en fait je vais pas parler que de VTT, j'ai envie de partager moi mon univers qui tourne autour du VTT, mais du sport en général, là, du trail, de la course à pied, du surf, de l'apnée, de l'entraînement, de la nutrition, de la protection de l'environnement, etc. Voilà, il y a plein de sujets et tout cet univers, en fait, moi, ça me plaît grave de le partager en vidéo comme ça. Donc, si ça peut plaire à des gens, si ça peut informer, si ça peut inspirer, si ça peut divertir, motiver, eh ben, tant mieux. Et moi, ça me fait grave plaisir d'avoir des petits retours positifs comme certains l'ont fait. Et j'aime bien monter des vidéos et j'aime bien parler. J'aime bien parler à la caméra. Donc, je vais continuer à faire ça. Je vais essayer de progresser parce que voilà, je pars un peu de zéro. Donc, il y a plein de choses à apprendre. Donc, pour conclure, cette vidéo, c'est pas la suite sur le VTT. Je parle de trail. J'espère que ça va vous intéresser. Si vous regardez pas, tant pis. Et si vous regardez, bonne vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao. Bonjour à tous, j'ai décidé que j'allais refilmer une vidéo parce que hier je me suis filmé en train de déballer, de commenter la réception de mon nouveau VTT que je suis allé essayer ensuite et franchement j'ai kiffé le faire. Je me suis dit que j'allais retenter l'expérience avec quelque chose de différent, à savoir une sortie de trail pour l'entraînement d'une course que j'ai là dans 10 jours à la Rune. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une montagne dans le Pays Basque qui est vraiment tout près de la côte. C'est derrière Saint-Jean-de-Luz, fait 900 mètres de haut à peu près. La course, c'est un trail court, voire très court, qui fait 6 km aller jusqu'au sommet avec donc 900 mètres de dénivelé positif et 6 km retour avec donc 900 mètres de dénivelé négatif. C'est assez intense parce que ça monte dur. C'est pas du tout un trail long, mais voilà quoi, il faut gérer l'effort et pas se cramer les cannes. Sachant que moi, en fait, ça fait que un an que je fais ce qu'on pourrait appeler du trail, et encore c'est du trail de bébé. J'ai commencé à le faire parce que je trouvais que c'était un bon entraînement physique. Et surtout, en fait, je kiffe ça. J'adore descendre en courant. T'as l'impression d'être Crash Bandicoot. Tu vois, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est juste génial. Physiquement, c'est un peu dur au début. Je suis pas en pro, je suis pas en club, je suis vraiment amateur, juste j'adore ça. Et là, nouvelle expérience, et je pense que ça va être le début d'une longue série de courses. En termes d'objectifs de temps, alors j'ai regardé les premiers, ils font 1 heure aller-retour. Donc moi, ça me paraît juste monstrueux, limite inhumain. Le gars met 40 minutes à monter et 20 minutes à descendre. Et là, pour l'instant, il me semble que le meilleur temps que j'ai fait, je crois que c'est 1h55. C'est difficile de voir où est-ce que je peux progresser et accélérer parce que les montées sont tellement raides que je peux pas vraiment courir, je suis obligé de marcher. Les plats, je les cours déjà, peut-être que je peux courir plus vite. Et les descentes, je les cours aussi. Mon objectif en temps, j'aimerais bien, genre franchement, si j'arrivais bien sûr à descendre sous 1h50, ça serait bien. Et si j'arrivais à faire 1h45, ça serait vraiment top. Et en fait, ça représente en gros, je crois, à peu près le milieu de peloton. Voilà, je vous retrouve dans la montée quand je serai en train d'en chier. Je sais pas trop ce que je vais avoir à raconter. Donc, c'est parti, je suis sur la première portion qui est de la route. C'est un plat depuis le centre-ville d'Asquin. Donc, voilà, j'arrive dans le premier mur qui défonce les pattes, pas chaudes. Et puis en plus,
c'est systématique. Mais quand je vois comme un trou avant de partir, et ben, au bout de 5 minutes, tout le temps envie de pisser. Dans ces phases-là, tu vois, là, j'ai arrêté de courir parce que je pourrais courir, mais comme c'est le début, j'ai peur de me cramer les jambes, j'ai peur de m'essouffler. Là, ça monte comme ça pendant longtemps en plus. Donc j'essaie plutôt de marcher vite, tant que j'ai l'impression que je vais aussi vite en marchant vite qu'en courant. Donc voilà, je sais pas trop, je suis au feeling. Ça y est, on est dans les cailloux. Donc le terrain va ressembler à ça pendant un bon moment. Et là, bah, le premier mur s'est pas arrêté. Ça continue toujours de monter. Je pense que je vais recommencer à courir là. On prend un peu mon souffle. Puis je pars. Il y a un truc aussi qui m'arrive souvent dans la montée, que je marche ou que je cours, c'est que ça me tire les lombaires. Parfois j'ai hyper mal, parfois ça passe, c'est assez aléatoire. Tu vas monter comme ça là, putain, ça me pète. Surtout, j'ai peur de pas arriver en haut avec de la fraîcheur. Donc je trouve que c'est ça le plus dur. Je sais pas si c'est dans le trail en général ou sur cette montée là, mais savoir où courir, savoir où se reposer sans perdre trop de temps. C'est trop beau, la vue sur la baie de Saint-Jean. Hop là, ça s'aplatit un peu. Donc direct, j'essaie de mettre un peu de rythme. Pas dégueu. C'est pas dégueu mon ami. Sommet est là. L'océan est là. Pays basque. Merci. Bonsoir, on va croiser les premiers potiocs. Salut poteau. Voilà, ça monte toujours. Du mal à mettre de la cadence. Surtout que là, je vais arriver à un autre mur. Voilà. Toujours dans le même mur, mais on va dire sur une autre marche. Là, j'en chie. Je me sens lourd. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les lombaires qui tirent. C'est pas agréable. J'essaie de garder un bon rythme de marche. Mais là, je pense qu'on voit pas trop à la caméra, mais ça monte pas mal. Je vais pas poser les pieds à plat. Voilà, toujours dans la montée. Ça fait 35 minutes que je suis parti. La tête, ça va mieux. Les jambes, ça va. Ça tire dans le dos. Mais on est pas mal. Et donc là, j'arrive enfin en haut du putain de premier mur qui est interminable. Là, mais en fait, et là, j'ai une phase un peu à plat, pour avec un peu de descente. On va essayer de dérouler, même si j'ai les jambes un peu saccagées là. Donc après la phase de course là, déroulante, direct, petit mur dans le bois. Ça pique le cœur, pique les poumons. Toujours dans le dernier mur, sommet est pas loin. Putain, qu'est-ce que c'est dur! Dans le moment le plus dur, il y a un mec là-bas qui vient de me dépasser en courant. Je sais pas si ça fout les boules ou si ça motive. Il est juste en haut ce bâtard. Je sais pas comment il fait. Ah, c'est raide. Ah putain, j'ai trop mal. J'aurais presque pu avancer. Allez. 1h05. Donc à peine arrivé, pas de pause, je redescends direct. Un peu rude mais bon, changement de mouvement doit faire du bien. C'est hyper technique, faut faire gaffe. C'est sec donc ça va, j'ai l'habitude de passer dans le mouillé. Mais j'ai quand même les jambes un peu faiblardes là. Je crois que j'ai mis un peu moins d'une heure d'ici à monter, c'est pas mal. Donc première phase de descente avec des gros cailloux comme ça. De la terre, faire attention à ne pas glisser.
hyper dur à descendre et hyper kiffant. Là t'as des sensations. Par contre je suis en train de perdre de la lucidité, ça fait quelques minutes que je descends. Faut rester concentré. Faire attention aux genoux, aux chevilles, à la respiration et au chemin qu'on prend. Le moment le plus technique, ça on montait quand la descente est passée. On retourne sous bois. Ça déroule un peu plus, mais bon, pas se laisser emporter par la vitesse non plus. Parce que là, j'ai pas les jambes fraîches. Allez, on finit le plaisir. C'est trop drôle parce que j'ai pas filmé, mais la descente, ça envoyait bien, c'était super cool. Les gens m'encourageaient. Sympa. Je fatigue, j'ai pas mal envoyé dans le début de la descente. Donc j'ai le cerveau un peu à l'ouest. Faut que je reste concentré. Je pense à mes chevilles. Ah, c'était détendu, fluide, léger, facile, résistant. Je sens que je pourrais y aller un peu plus fort là, mais ça serait risqué. Donc c'est bien. Tu vois, j'en garde sous la pédale le jour de la course. Généralement, t'as de l'adrénaline en plus qui te permet de mieux gérer cette situation. Ok, là je suis fouenné, mais c'est un des meilleurs moments. T'arrives dans une prairie, la grosse vue, il y a toujours les petits poneys là, en train de brouter au calme. Ah, j'ai les jambes flinguées, j'ai du mal à dérouler. Ça va venir. Allez, on a dit 105 minutes, ça fait 90 minutes, il m'en reste 15 pour arriver en bas. Dans le passage insupportable, ça ne s'arrête pas de descendre comme ça. J'essaie de passer dans l'herbe mais tu vois rien, donc il y a des ronces en plus. Donc je prends mal en patience, j'essaie de paniquer, tu vois, si je prends trop de vitesse après ça fait trop mal aux genoux pour s'arrêter. J'essaie de trouver un rythme, pas trop lent, pas trop dur. Maintenant c'est plat jusqu'au bout je crois. Il me reste 6 minutes pour arriver au bout. Allez, on y croit. Allez, 43-45, ça va le faire. Donc 44-30. C'est bon ça. Bien joué. Voilà. Ouh. Voilà. Alors je suis rentré, je suis dans ma voiture là, je viens de finir, j'ai enfilé un super bon Marcel,
J'ai trop chaud. Content parce que j'ai fait 1:44:50, ce qui fait presque 10 minutes de moins que ce que j'avais l'habitude de faire, donc c'est vraiment cool. Mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner le jour de la course parce que déjà je suis pas certain de prendre le vrai bon tracé, c'est grosso modo celui-là. Et le problème c'est qu'en haut, il y a soit un chemin qu'on peut suivre qui serpente, soit on peut couper en fait. Et à la montée, moi j'ai tendance à suivre le chemin parce que pour couper c'est hyper dur, c'est vraiment à pic. On est sur les pointes de pied, ça fusille les gens, donc je sais pas trop si c'est vraiment plus rapide, c'est un coup à vraiment se cramer avant d'arriver en haut. Mais par contre, en descente, j'avoue que j'ai tendance à couper. Et forcément, ça fait, je pense, gagner un peu de temps. Et pour conclure, là aussi, ce sur quoi j'ai plus travaillé que d'habitude, c'est le côté mental. En fait, bon, alors déjà, d'habitude, je monte avec de la musique. Là, je suis monté sans musique. Et j'ai vu une émission que je vous recommande sur Arte, que c'est dispo sur YouTube gratuitement, qui s'appelle, je crois, Dans la tête des médaillés ou Dans la tête des médaillés olympiques, quelque chose comme ça. Et ça parle vraiment de technique de préparation mentale d'athlète. Je vous encourage à aller le voir. Et là, j'ai essayé d'appliquer une technique qui est évoquée dans ce documentaire. Alors, je ne sais plus son nom, je ne sais plus le nom de cette technique. Mais le principe, c'est de visualiser un souvenir dans lequel, un souvenir qui vous donne de la force. En l'occurrence, l'exemple, c'était une jeune athlète, une jeune gymnaste. Et elle visualisait un enchaînement parfait. D'une compétition où elle a gagné, qui la faisait ressentir super forte. Et le principe, c'est ça, en fait, c'est de se remémorer un souvenir positif, ou en tout cas qui apporte quelque chose, et de l'associer à un mot. Elle avait associé le mot puissant à ce souvenir de compétition. Donc j'ai essayé d'appliquer ça, et le but, c'est de se répéter pendant l'effort, dans les moments difficiles, ce mot. Pour mobiliser au sein du corps, on va dire, les réactions hormonales et physiques d'une bonne performance. En l'occurrence, moi j'ai choisi le mot résistant, on va dire, parce que j'ai cherché et le mot qui correspondait le mieux à mon type d'effort, etc., c'était ça, c'était le mot fort, puissant, résistant, voilà, c'est des efforts durs, longs, à la fois où on encaisse sur la durée, dans l'endurance, à la fois où parfois il faut être rapide, parfois il faut essayer d'être puissant sur ses jambes, sur ses muscles, forcer, essayer de se détendre. Bref, c'est tout un panel. Et donc j'ai pris ce mot, résistant, et je l'ai associé à plusieurs souvenirs. Des trucs assez personnels, donc, bon, je ne veux pas parler là, mais d'autres moins, comme par exemple le marathon que j'ai couru ou certains examens que j'ai passés. Et finalement, associé à tout ça, je me répétais le mot résistant quand c'était dur. Ça me permettait en fait de me refocaliser et de me dire voilà, c'est possible, tu peux y aller. Petite technique sympa, et voilà. Donc je sais pas si ça a joué, en tout cas, c'est une technique que je vais continuer à appliquer. Je suis pas un athlète, je suis un sportif amateur, et donc forcément, j'irai jamais chercher des performances de malade mental. Mais en revanche, ce qui est commun à tout le monde, c'est que. Enfin, à tous ceux, je crois, qui aiment vraiment le sport, c'est de se dépasser. Et au final, les athlètes de haut niveau, les athlètes olympiques, etc., c'est ce qu'ils font. Hein. C'est des luttes avec des compétiteurs, certes, mais c'est surtout des luttes avec eux-mêmes. Et ce qu'utilise un athlète de haut niveau pour se préparer à une compétition, et tu peux tout à fait l'utiliser pour prendre plus de plaisir dans ton sport à toi, t'entraîner plus dur peut-être, aller plus loin pour ensuite plus profiter. Je sais que moi par exemple je m'entraîne beaucoup pour être meilleur à l'eau, surfer mieux, prendre plus de vagues. Et en fait le fait de s'entraîner mieux, plus fort, plus dur, plus efficacement surtout, ça t'apporte au final que du plaisir. Et ça vaut le coup d'explorer tout ce qui est préparation mentale. Je pense que je vais en rester là pour cette vidéo. Aux 10 personnes qui la verront, j'espère que ça peut vous être utile. En tout cas, moi, ça me fait vachement plaisir. Merci d'avoir regardé. Ciao, à la prochaine, j'espère. Avec l'adrénaline de la course, les gens autour, etc., forcément, on a un petit regain, y a un petit regain d'énergie. Passer sous la barre des 1h40 était faisable. Hyper rude, hyper raide, glissante. Ça tape fort, c'est pas agréable. J'ai dû m'asseoir à l'arrivée direct, j'en pouvais plus.